Alléluia, alléluia, vous tous qui êtes connectés depuis Paris, depuis notre résidence de Meudon, nous vous bénissons. Nous vous bénissons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à la prière d'ouverture des portes. Je crois que Dieu ouvrira une porte. Nous sommes le 30 aujourd'hui. Hein? Demain, nous serons le premier. Demain, on se verra encore. Mais nous voulons faire cette prière de minuit ensemble. Pendant que vous partagez, vous likez, partout vous êtes, commencez à activer les algorithmes de Facebook, comme vous savez le faire. Denis Agré, partage-moi dans tous les groupes, que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, soit avec vous. Partageons au maximum. Depuis notre résidence de maison accompagnée de Madame l'ambassadrice d'Osso Aïtoua et de mon fils bien-aimé, le diacre Dr Jean-Baptiste, le grand responsable de Paris, Nda Hervé Diacre et Madame Gamba, que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous allons prier, partager au maximum, mettez le cœur, Marie Désirée Racheter. Partage de moi 50 groupes, de Denise Agréto aussi, parce que nous adorons le Seigneur. C'est un temps, nous aurons 30 minutes de prière, de revirement de situation. Je crois que Dieu nous fera beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Partageons, adorons le Seigneur, célébrons-le, magnifions-le, prophète Gauthier, que la grâce de Dieu soit sur toi, Nana, Michak. Attendez, bloquez-moi cette personne-là. C'est une personne possédée. Voilà, je la bloque moi-même. Philomena Semedo. Oh, Philomena. Ah, Philomena, ma Philomena. Que dit de toi, que dit de toi. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Nous sommes à Paris, par vos sacrifices. Vous tous qui êtes connectés, que la grâce de Dieu soit sur toi, ange. Quoi, si n'oublie pas de partager ce moment-là, n'oublie pas de mettre des cœurs. Voilà, j'espère que tout le monde m'entend bon. Kania, ça va, c'est bon. Alléluia. Partageons, maintenant, ne parlez pas si vous avez besoin. Partageons. Que la grâce de Dieu. Adorons le Seigneur, ce merveilleux cantique-là, pour dire que Dieu est toujours à côté de nous. Ne désespérons pas. Dieu est toujours là. Et ce soir, je crois que il s'apprête à te rejoindre à un carrefour. Il est minuit 9, 2h09 à Paris où il y a quelques émeutes, mais nous prions pour que la paix se fasse et nous prions pour le repos de cet enfant. Adorons le Seigneur. Pendant que vous adorez le Seigneur, mettez des cœurs, des likes, des pouces. Je ne vois personne qui a partagé. Alors que je suis dans une position de grande bénédiction et de relâchement d'une faveur mystiquement étrange. Les bras, c'est carabas. Adorons le Seigneur. Partage. Lydie, Déborah, Abiro, faveur sur toi. Partage dans ce grand groupe. Lueda, Angeline, faveur sur toi. Marie-Diane, Saint-Yaouri, faveur sur toi. Ah, une centaine de groupes. Marie-Diane, Saint-Yaouri. Malheureusement, je vois, j'ai pas ton image sur ton profil. Là. Félicitations. Andrea Kofi, paix aussi à toi. Partagez dans plusieurs groupes. Vous permettez à quelqu'un d'être béni. Mettez des cœurs, activez les algorithmes de Facebook comme vous dites aujourd'hui. C'est mon anniversaire à moi. Que la gloire de Dieu. Je dis, je ne veux pas de cadeau, plus parole. Je veux prier. Et puis de belles petites enveloppes d'euros. Alléluia, alléluia. Paix à toi, Emmanuel Kouassi. Chantal Engie, Longoua, mais je ne t'ai pas vu, Chantal. J'ai eu un bout d'inachevé là.
Hein, Chantal, mais je sais que demain tu nous succomberas. Marie-Cécile, Oura, que la grâce de Dieu soit sur toi. Alors, n'oubliez pas, je vais donner un passage et c'est sur le fondement de cela que nous allons prier. Romains chapitre 4, verset 17. Pour ceux qui ont la Bible, prenez votre Bible, Romains chapitre 4, verset 17, parce que c'est une prière de revirement de situation. Je dis à quelqu'un qui est en Afrique, qui n'a jamais voyagé, tu voyageras. J'ai la grâce, par le fort, par le travail de cette dynamique serviteur de Dieu de Paris, d'avoir une résidence dans le quartier le plus chic de Meudon. Vous voyez cette belle résidence-là qu'ils m'ont offert. Que la grâce de Dieu soit sur toi, toi aussi. Tu auras des maisons que tu n'as point bâties. Tu auras des terrains que tu n'as point achetés. Tu rouleras dans des voitures que tu n'as point payées. Je crois que c'est le temps d'un changement de grâce. À Dieu, j'ai dit 40 groupes, sois béni. Alors, pendant que Linda partage, Linda prend tous ses noms, je prie pour vous tous qui partagez spécialement, parce qu'il faut toujours quelque chose sur laquelle Dieu peut s'appuyer pour un revirement drastique de niveau. Donc, je vois déjà, je prie spécialement pour ma fille Valérie Yao, dans 43 groupes, c'est bien. Rebecca, Adjé, Stéphane, sois béni, fils, mais partage, Sainte Marie, bénédiction. Toi aussi partage, Myriam Vanessa, toi aussi partage, au courant, Odette, à son, comment ça va ma soeur chérie, Odette partage dans plusieurs groupes, Edam Deli, Marie-Cécile, Oura, j'ai dit ma fille, on ne dit pas heureux anniversaire, c'est pas dans la bouche, on fait prière, et ma prière là, si vous êtes romain, c'est rosaire, hein. Voilà, si vous êtes orthodoxe, c'est vraiment tous les quatre acatistes dans la Théotokos, et vous ajoutez aussi un papier cadeau, mais avec des zéros dedans. Voilà. Alléluia. Denise, agressement dans 20 groupes, Denise. Mais quand même, c'est bon. Alors, Romains chapitre 4, verset 17. Pendant que vous likez, vous partagez, continuez de faire vos efforts pendant que je vous donne la parole qui va servir de trame, de socle, de support à notre revirement de situation. Romains chapitre 4, verset 17. Je vous dis ma version. Paul a écrit, inspiré par Dieu, il a dit, comme il est écrit, je t'ai établi père d'une multitude de peuples, mon Dieu. Et dit notre Père devant celui auquel il a cru. Alléluia. Devant celui auquel il a cru, le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle à néant, appelle le néant à l'existence. Comment voulons-nous expérimenter la faveur d'Abraham? Il dit, je t'ai établi Père d'une multitude de peuples. Donc, un niveau étrange d'élévation. Un summum de bénédiction, un étage au-dessus duquel il n'y a rien parce que c'est Abraham. Nous sommes tous les fruits, puisque lui, il est la source. Il dit, pour cela, notre Père demande celui auquel tu as cru. Le Dieu, quand tu crois, il dit le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle le néant à l'existence. Deux choses importantes dans ce verset, donne la vie aux morts, c'est-à-dire ressuscite les morts. Ça nous montre que Dieu est un Dieu de miracles. Oh, tu ne dis pas Amen. Amen. Tu ne dis pas Amen. Tu ne dis pas Amen. Benjamin Marie, je veux voir que tu partages. Parce que vous tous qui partagez aujourd'hui, ce n'est pas du favoritisme, mais je veux des personnes pour avoir les cinq pains, les deux poissons, quelque chose sur laquelle s'appuyer pour un changement de niveau. Et ça, c'est le partage, c'est les likes, c'est les. Voilà. Donc, partagez, likez. Il dit deux choses importantes dans ce verset, donne la vie aux morts. Donne la vie aux morts, ressuscite ton miracle. C'est pourquoi je vois ton miracle être ressuscité. Je vois ton travail, je vois ta carrière, je vois ton projet de voyage, de mariage. Je vois ton projet d'appartement, je vois la guérison que tu poursuis, je vois la délivrance que tu cherches. Et quand il dit, donne la vie aux morts, Dieu est un Dieu de miracle, je le dis. Et le pouvoir de ramener les morts à la vie, c'est forcément un miracle. Et ce miracle à pointe à la porte de ta destinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi celui qui va, tout à l'heure, invoquer, prier avec moi, après ce verset-là, que tu es à l'esprit, dès que la parole a heurté ta conscience, que Dieu fait des miracles, et qu'il veut en faire pour toi encore cette nuit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième chose, il dit, donc, donne la vie au mort premier, il fait des miracles, donc il ressuscite des morts. Il dit, il appelle le néant à l'existence. Mon Dieu, appeler à l'existence les choses qui n'existent pas.
Je te répète le verset parce que il faut que le verset fasse quelque chose dans toi, que le verset agisse tes atomes, tes neurones spirituels. Et comme il est écrit, j'ai été établi père d'une multitude de peuples, votre père, devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et appelle le néant à l'existence. Appelle le néant à l'existence. Appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Cela veut dire que Dieu, que tu vas invoquer avec moi tout à l'heure, est un Dieu de foi. Et la foi appelle réel ce qu'on ne peut pas voir physiquement. Oh, tu n'as pas dit amen en mettant, tu n'as pas dit amen en mettant des cœurs, tu n'as pas dit amen en mettant des cœurs. Je dis, je répète, ça veut dire que le Dieu que tu vas invoquer tout à l'heure est un Dieu de foi. Dès que tu relâches ta foi, la foi, c'est ça qui appelle le réel et c'est ce qu'on ne peut pas voir physiquement. Donc, deux éléments pour ton miracle. Dieu est un Dieu de foi. Dieu est un Dieu de miracle. Un, il donne la vie aux morts. Il ressuscite les morts. Et deux, il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Pendant que tu likes, pendant que tu partages, pendant que tu mets des cœurs, quelque chose est sur le point de se passer pour toi. Je vais saluer. Mettons-nous tous, vous tous qui partagez, soyez debout maintenant. Ou bien à genoux, ou bien à terre, parce que nous rentrons dans quelque chose. Nous allons prendre la clé qui va nous ouvrir à toutes ces bénédictions, là. Et cette clé, c'est la repentance. Pendant que je salue Marie-Madeleine Rachia, je vois ceux qui partagent. Marie-Diane Saint-Yaouri, tu as partagé dans combien de groupes? Chantal Engui, dans combien de groupes tu as partagé? Yolande Rose Nguessa, Westerslas, Doussois, ou Westerslas. Mon esprit est envoyé quelque part. Je suis comme dans une famille de chefs, de rois. C'est quelle famille ça? Dis-moi un peu, celui qui s'appelle Westerslas là. Je suis quelque part, mais je vois une famille de chefs, de rois. Westerslas, je prie pour toi. Je vois un défi par rapport à cette famille. Marie, Marie-Diane, il y a un esprit de femme de nuit. De femme de nuit, pas de mari de nuit. C'est-à-dire que tu fais des rêves pour les femmes. Marie-Diane Saint-Yves, tu as fait des rêves pour les femmes avec coucher avec toi. Et je prie pour ton mariage. Je veux que vous réagissiez rapidement pendant que la grâce de Dieu est en train de se déployer. Nous voulons bénir la présence de Dieu. Nous voulons bénir la présence de Dieu. Rebecca Haché, Stéphane. Rebecca Haché, c'est ta femme, Stéphane. Ta femme. Je ne sais pas si c'est quel jour. Nous sommes vendredi, mais je vois entre mardi et lundi, c'est comme si ton œil bougeait. Comment on appelle ça maintenant? L'œil qui clignote là. Comment on appelle ça? Comme c'est comme Dieu là. Voilà, les Africains, quand Dieu nous parle là. Voilà, c'est un signe spirituel. Confirme-moi ça pour que je puisse relâcher le reste de la prophétie. Le reste de la prophétie. Marie-Diane Saint-Yves, j'ai dit quelque chose tout à l'heure. Tu as fait des rêves de femmes couchées avec toi. Je vais prier pour toi. Je veux que tu réagisses rapidement. Je veux que tu réagisses rapidement. Je vois une personne, Pierre et Rob. Je ne sais pas si c'est ton nom. Pierre, tu es où? Dis-moi, tu es où? Parce que je vois l'Europe et je vois un destin frustré. Pierre et Rob, je vais prier pour toi. Les Baraka Bazo. Qu'est-ce que tu pries en langue? Commence à prier en langue. Et Cynthia Malika, il y a un esprit de mort qui poursuit les hommes de votre famille et qui fait que les gens grossissent. Cynthia Malika, pardonnez, réagissez vite. Marie-Diane aussi confirme sa prophétie. Marie-Diane, c'est laquelle? Parce que j'ai donné beaucoup de paroles. Je vois plus de Marie-Diane, c'est laquelle de Marie-Diane là? Lina dit à papa que Rebecca et Marie-Diane ont confirmé. Alors Rebecca, je vais ce jour-là. Tu comprends? Je vais ce jour-là. Et où tu as eu ces yeux qui clignotaient là, je vais ce jour là,
Parce que ce jour-là, un combat s'est levé. Un combat s'est levé. Et pendant que tu sortais, il y a eu, avant qu'il y ait la pluie, tu as vu comme une sorte de. Ce n'est pas les brassiques rabazo, ce n'est pas un tourbillon, mais il y a eu beaucoup de feux qui ont été pris par le vent. Réagis vite, réagis vite, réagis vite. Réagis vite, réagis vite, réagis vite, réagis vite. Je priais pour toi, réagis vite, je priais pour toi. Je priais pour toi, je priais pour toi. Me piquer Christelle, mon Dieu. Je suis avec toi sur un terrain. C'est un truc de famille qui vous appartient. Et je vois que il y a beaucoup de combats là-dessus, mais je suis à la partie où il y a comme un cours d'eau. Il y a un petit ruisseau, je suis là-bas. Dis-moi, et c'est cette partie-là qui veut te donner dans l'héritage. Ne prends pas cette partie, ma fille. C'est là qu'il y a le génie. Voilà, je priais pour toi. Les brassi carabazo. Rakababababa. Je deviens Koulibaly, épouse Kaja. Si je priais pour toi, ça ne va pas. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi, remontrer pour toi. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Voilà. Marie-Diane, c'est un profil femme de nuit parce que. En fait, on veut te donner, tu as un sexe spirituel et il y a des choses trop personnelles, je ne peux pas dire ça. Bon, je veux qu'après tu puisses, que je puisse te dire ça. Mais nous traitons cela maintenant. Alors, je veux que nous puissions nous mettre en position de repentance. Vous tous, c'est connecté. Nous sommes à Meudon, depuis la capitale française. Là, vous pouvez vous asseoir avec vous parce que vous êtes en train de réaliser. Dieu comprend. Voilà. Sang de Jésus trois fois et prenons ces clés-là pour ouvrir la voie. Écoutez-moi très bien. Il n'y a pas de sommet sans importance. C'est celui qui est né d'en haut qui domine. Et donc, pour la domination, il a dit à Nicodème pour la nouvelle naissance. Donc, pour la repentance, sans ça, il n'y a pas de miracle. Sang de Jésus trois fois, pendant que vous continuez de liker, vous continuez encore de partager, c'est un moment de changement drastique, de nouveau, d'accélération surnaturelle. Papa, cet esprit, nous va te dire merci. Maman, nous va te dire merci pour prendre le contrôle de ce moment-là. Sang de Jésus, 3.3. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Prie avec moi, Seigneur Jésus. Nous savons que nous t'avons blessé. Nous t'avons irrité par l'œuvre de nos mains. Nous avons abandonné le rocher qui nous a fait naître. Et nous avons oublié le Dieu qui nous a engendrés. Seigneur, nous comprenons tout ce que nous vivons. Comme le feu de ta colère qui s'est allumé contre nous, qui nous combat et qui nous dévore. Seigneur, ce soir, nous voulons te supplier. Ne nous cache pas ta face. Nous reconnaissons tous ensemble. Nous sommes une chaîne de prière forte. Nous reconnaissons que nous sommes des enfants infidèles. Nous sommes une race perverse. Des hommes et des femmes à la nuque dure, au front dur, à la nuque raide. Seigneur, nous avons excité ta jalousie. Par toutes ces choses que nous avons érigées au rang de l'idolâtrie, qui ne sont pas Dieu. Nous t'avons irrité par nos péchés, par nos mauvaises habitudes, par nos caractères, par nos impuretés, par nos fornications, par nos rancunes. Pendant que tu fais cette prière, je t'en supplie, continue de liker quelqu'un, continue de partager, continue de partager. Philomena Semodo, il n'est pas vu que tu as partagé. Seigneur, tu as dit dans ta parole, ô Dieu, que tu es un Dieu jaloux. Nous t'en supplions, ne nous cache pas ta face. Nous reconnaissons cette nuit que nous sommes des enfants infidèles. Nous reconnaissons que nous sommes une race de Bélial. Nous avons excité ta jalousie par ce qui n'est pas Dieu. Nous t'avons irrité par nos péchés, nos caractères, nos mauvaises habitudes. Seigneur, alors que tu as dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Nous savons, à cause de nos péchés, que si nous ne répondons pas, nous ne répondons pas ce soir, le jour de notre malheur est sous nos yeux. Et que ce qui nous attend ne tardera pas. Seigneur, Kyrie eleison. 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 Oh Dieu, nous avons péché contre toi. Seigneur, nous savons que nous t'avons blessé. Nous reconnaissons ce soir, dans cette position de repentance, que c'est toi qui es Dieu. C'est toi qui fais vivre et c'est toi qui fais mourir. C'est toi qui blesses et c'est toi qui guéris. Personne ne peut te délivrer de ta main. Si ton décret est arrêté et si
ta résolution est prise. Pardonne-nous, Seigneur, nos péchés. Nos péchés sexuels, extra-conjugaux, nos péchés de maraboutage, de fétichisme, d'idolâtrie. Pardonne nos péchés de rancune, nos péchés de copinage avec les réseaux maçonniques, avec les réseaux exotériques. Tout ce qui tu as bon, Seigneur, pardonne-nous. Nous tous qui sommes connectés, Seigneur, je me tiens un instant de prière. Comme étant ton grand prêtre, pour plaider tous ces péchés dans nos vies et dans la vie de chaque frère. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir peur de prendre nos responsabilités. Seigneur, de toujours insister sur nos droits, alors que nous ne sommes pas dignes. Pardonne-nous, Seigneur, de polluer notre environnement, d'être des personnes qui créent la division, la zizanie, les calomnies, les critiques. Nous t'en supplions, fais-nous grâce, Seigneur. Kyrie eleison, 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 les brassica rabazo, rakabababa. Partagez au maximum, continuez. C'est un temps de prière. Nous pouvons sentir les réseaux même être saturés. Je vais te voir une image, peut-être que je ne vais pas remarquer, mais si quelqu'un l'a expérimenté aussi, qu'il voit, que je vois votre sensibilité, je vois comme tout ce lieu-là est environné d'une nuée étrange. D'une nuée étrange. Nous baignons dans la Shekinah, dans une présence de Dieu. Je crois que c'est un soir. Rebecca a dit qu'elle était dans une atmosphère avec beaucoup de vent lorsque son œil battait et hier, des personnes où elle était vue, tu parlais lors d'une évangélisation. Ah oui, c'est sa mère. Je me lève en instant de prier parce que la Théotokos a mis son pied sur un serpent qui venait du côté de ta mère et les œuvres de ce serpent sont déclarées annulées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu as un projet que Dieu a mis à ton cœur, Rebecca, qui est de résidence meublée, quelque chose comme ça, que ce serpent avait avalé, mais le pied que la Vierge a posé, donc il faut que tu me confirmes ça, le pied que la Vierge a posé a vomi cette œuvre-là. Et parce que tu as ce projet-là, mais c'est difficile aujourd'hui. Même que d'y penser, comment tu vas avoir l'argent, vraiment, tu tournes en rond et c'est pas bon. Les carabas, plus en langue, plus en langue, plus en langue, plus en langue. C'est l'heure de la guerre et la guerre fait du bruit. N'oubliez pas Luc chapitre 18e. Verset 35 à 38. Verset 35 à 38. Je vois, j'ai vu un nom d'une personne, j'ai vu Tino, une femme, j'ai vu Tino, mais je ne sais pas si tu es ivoirienne, mais je me retrouve dans une zone de savane. Et un peu comme au nord chez nous, en Côte d'Ivoire, comme à Korogo, à Odiené, parce que je vois une atmosphère d'Amatan, dans une zone sèche. Je veux que tu puisses réagir, à quoi est-ce que ça te concerne, et si ça t'évoque quelque chose, je suis avec toi là-bas. Tino, où est cette personne là? Où est cette personne? 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 Je vois une personne qui s'appelle, je vois Nadré Dago, c'est ça? Nadré Dago, c'est qui ça? Nadré Dago. Je suis avec toi, mais c'est comme si je suis avec toi, mais j'arrive pas à respirer. Voilà, je vois des sons que tu fais et c'est comme si tu es sous l'eau. Et ça fait que quand tu te réveilles, souvent tu as des petits problèmes de respiration. C'est comme si on a mis un poids sur ta poitrine. Dieu prie pour toi, confirme-moi ça. Confirme-moi ça rapidement. Elle a répondu à cause de l'affectation de ton mari, mais l'esprit qui avait mis la main dessus a vomi, donc je crois que c'est quelque chose d'important. Elle confirme qu'elle avait ce projet de résidence pour Dieu, tu le feras. Et tu permettras à Manoudou et moi d'aller faire des nuits là-bas, par la grâce de Dieu. Les Karakamazo, les bra, c'est d'Arab. Je reviens au Koulibaly, ton cœur, ma fille, tu es tout coléreux, il y a trop du. Tu gardes toutes les choses. Je vois une éponge. Et je vois que quand tu étais petit, tu avais une éponge, des éponges en fibre là. Qu'on fait à des écorces là. Blablabla. Tu sais, il y a des écorces. Tu connais ça, non? Hein? Il y a des écorces là, au village. Au village, il y a des filaments naturels là. Pas les plastiques là. Ouais, comme du bois là. Quand tu as lavé avec ça, ça fait que tu n'arrives pas à pardonner. Tu te souviens? Hein? Je ne viens qu'au bali, tu te souviens? Rappelle-toi vite. Fais vite. Prions le Seigneur. Nadré Dago, qu'est-ce qu'elle a dit?
Oui. Mais je vais avec toi sous cette eau-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux que tu aies demain, tu prennes 3 jours avec moi. Nadiedago, 3 jours, je ne sais pas dans quel pays tu es. Voilà, je ne sais pas dans quel pays tu es, dans quel pays tu es, dans quel pays tu es. Et Lydie Deborah, il y a quelque chose, il y a comme quelque chose qui est controversé avec le papa de votre famille. Qu'est-ce qui se passe avec votre papa? Voilà, je vois comme une situation que l'ennemi attaque. Est-ce que parce que vous êtes trop attaché à votre papa, l'ennemi vous attaque? Ou bien est-ce qu'il y a eu un souci? Mais je vois une situation avec votre papa. Je vais prier pour vous. Pour Lydie Deborah Abiro. Voilà, le lien est lié à votre papa. Rakababababa. Chantal Ngui. Oh, je vais prier pour toi. Mais parce qu'il arrive souvent des périodes où tu sens des attaques d'une de mari de nuit. Hein, Chantal Ngui Longoua. Hein? Pourtant, tu ne m'as pas dit ça, ma fille. Je vais prier, je vais prier, je vais prier pour toi. Hein? Et c'est comme si souvent tu es couché avec ton mari, mais tu as conscience, c'est comme s'il avait une méditation. Hein? Je vais prier pour toi, je vais prier pour toi. Ah, Geneviève Koulibaly. Ah, tu vois, c'est ça même. Tu as raison. Quand j'arrive à Abidjan, je savais de me voir. Pas si tu as, si tu as su Paris, compris. Alors, allons prier. N'oubliez pas, Luc chapitre 18, verset 35 à 38, c'est l'épisode de Bartimée. La Bible dit que Jésus passait, mais quand Bartimée a commencé à crier, Jésus s'est arrêté. Donc, si tu fermes ta bouche, tu empêches ton miracle. Voilà, les gens voulaient empêcher Bartimée de parler, mais il a crié, Fils de David, aie pitié de moi, et le miracle s'est opéré pour lui. Jésus s'est arrêté à sa situation. Je veux que toi aussi tu fasses de même. Parce que ton miracle, on a dit, est à portée de ta main. Et Jésus veut t'arrêter à la situation de ta vie, là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ça commence maintenant. Commence à battre des mains et des pieds. 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 Rakabazo, libra, bra, 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 bra. Radere, kabazo, libra, chanta, baba, baba. Rakababa, baba, 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 baba. Je prie déjà pour vous. J'étends la main de Dieu pour vous. Pendant que vous êtes connectés, mettez la main sur votre bras, vous tous qui êtes connectés. Et pendant que je prie pour vous, faites quelque chose de simple. Prenez l'eau bénite. Commencez à boire cette eau bénite. La paix, je prie. Tous ceux qui ont été empoisonnés spirituellement au son de ma voix, toutes ces semences négatives qu'on leur a injectées en rêve, tout ce qu'on a mis en eux, tout ce qu'ils ont respiré, qui fait que spirituellement, ils sont assoupis. Virtuellement, ils n'arrivent pas à se lever. Je commande à tous ceux à qui on a su qu'on a soufflé des poudres, des parfums démoniaques, tous ceux à qui on a donné, on a mis, ceux qui on a mis des odeurs, des formes spirituelles, des excréments. Je commande toutes ces semences, tous ces excréments par le sang de Jésus. Pendant que vous buvez cette eau, prenez simplement l'eau. Je bénis cette eau, elle devient l'eau exorcisée. Si vous avez l'eau dans une bouteille, dans un verre, automatiquement au son de ma voix, par le pouvoir que Dieu me donne, cette eau est déclarée sanctifiée, bénie, exorcisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Commencez à boire cette eau, approchez-vous et toutes ces odeurs, ces excréments, toutes ces choses impures, toutes ces choses que vous avez mangées en rêve, tous ces empoisonnements spirituels sont déclarés évacués au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant même, tout cela sort de vous. Je vous dis la vérité, ça sort maintenant, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort. Ouh, il y a des. Toutes ces personnes qui ont commencé à éternuer, 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 il y a une mauvaise odeur qui vous quitte, je veux que vous m'envoyez vos noms rapidement. Tous ceux qui éternuent, hein, tu as commencé à éternuer, tu as commencé à éternuer, tu as commencé à éternuer. Maintenant, reçois ta délivrance totale, reçois ta délivrance totale, reçois ta délivrance totale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père Céleste, introduis ta main puissante dans leur ventre, fais sortir toute forme d'impureté satanique. Que par le port, toute odeur, tout excrément, sors-toi sous forme de sueur au son de ma voix. Que tous ceux qui ont eu des contacts en rêve, que par les sexes, soient libérés la semence démoniaque au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui sont sous le pouvoir de l'envoûtement au son de ma voix, que tous leurs organes soient délivrés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une personne qui a eu 12 mois d'infection vaginale, 12 mois, une année. D'infection vaginale. Je priais pour toi. Je ne sais pas si tu t'appelles R dans ton prénom. Je vois un grand R. Voilà, un grand R. Dans ton prénom, il y a R. Vraiment, ça a été vraiment une année pas trop facile.
Je priais pour toi, je priais pour toi, je priais pour toi. Rakabazo, les bras s'intéressent, bouchons topo. Oh, il y a une personne, au moment où je parle, tu fais une crise d'hémorroïde. Au moment où je parle, tu fais une crise d'hémorroïde. Je priais pour toi. Je priais pour toi. Vous savez, on a dépassé le temps. Demain, n'oubliez pas, demain, c'est la grande divine liturgie des portes ouvertes. Je serai toujours en direct avec vous à Paris, à notre résidence de Meudon. Non, je serai plutôt à la reine de la liberté. Mon Dieu, je serai à la reine de la liberté. Ça sera fort, le lieu où on va prier pour vous. Vous tous qui avez reçu des paroles, je priais pour vous, je priais pour vous, je priais pour vous. Je priais pour vous, hein? Oui, Chantal, toi tu es ici, je veux te recevoir parce qu'il faut que je fasse une délivrance de toi et ton mari. Parce que c'est pas bon. Ce que je viens de voir, je vais développer. Comme tu es une servante de Dieu, je vais, quand je vais te voir, on va parler pendant. Il y a une personne, c'est pas Marie-Cécile, ses enfants sont attaqués en rêve. Marie-Cécile, tes enfants sont attaqués en rêve souvent, c'est-à-dire, les enfants sont perturbés en rêve, et ça fait des maladies, ça fait des fièvres, ça fait des... Je priais pour toi aussi, je priais pour toi. On m'a dit que tu as réagi, donc donne-moi le nom des enfants pour que je prie pour toi, je prie pour toi. Ra, ba, ba, ba. Si, nere, nere, bo, chanta, ra, ba, 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 ba. Dali, je deviens, dis-moi, est-ce que ta fille a des règles douloureuses? Est-ce que ta fille a des règles douloureuses? Parce que si elle n'a pas des règles douloureuses, je vois une attaque de l'esprit de la maison de son père pour venir coucher avec elle, prenant le visage d'une personne qui est dans la famille de ton père. Je n'en dis pas plus. Et je veux que tu parles avec elle, qu'elle réagisse rapidement. Rabazo, Kerebo. Père, toute personne qui me suit au sein de ma voix, au son de ma voix, vous tous, vous, Dieu me donne une parole prophétique et me donne ce verset-là de lui quand il dit, si un homme fort est bien armé qui garde sa maison en sécurité, il faut qu'un homme plus fort vienne. Levez la main droite, je prie. Que l'homme plus fort, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Maître, nous sommes les ouvriers, pénètre dans votre vie maintenant pour libérer votre mariage, votre travail, votre appartement, votre voyage, votre santé. Maintenant même au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les anges de la séraphin des chérubins soient relâchés vers vous maintenant même. Maintenant même, partout où vous êtes, parce que vous battez des mains, que vous priez. Vous sortez de toutes ces prisons. Sortez. Vous tous, commencez maintenant à appuyer les likes pour sortir. C'est un acte prophétique pour sortir. Vous likez, appuyez seulement les cœurs et les pouces pour sortir. Sortez. En appuyant, vous sortez de toutes ces prisons. Je le déclare, je le vois. Commencez à le voir. Ouais, vous sortez d'un lieu qui est une prison, comme un lieu qui est un enclos. Vous sortez. Je vois dans mon esprit, vous tous qui êtes connectés, qui faites l'effort d'appuyer, pour mettre des clics. Je vois dans mon esprit et je prophétise que vous sortez. Ce qui est fait physiquement est fait spirituellement. Ce qui est fait spirituellement est fait physiquement. Maintenant même, je le déclare, je l'affirme, vous sortez. Vous sortez. Maintenant même, au son de ma voix, toutes ces prisons s'écroulent. Toutes ces fondations antiques et ancestrales s'écroulent. Je vois une personne dans mon esprit, tu sors de cette prison, je vois beaucoup de fourmis maillants. Et derrière, tu as fait un rêve où tu étais dans une maison, il y a beaucoup de fourmis maillants. Réagis vite. Je t'annonce une bonne nouvelle, tu es sorti de cette maison, tu es sorti de cette prison-là. Pendant que vous likez, cela s'active, vous sortez. Alléluia! N'oubliez pas, demain, c'est la divine liturgie d'ouverture des portes du mois. Je t'en supplie. Nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année. D'autres vont en congé en juillet, mais en juillet, toi, tu as des préoccupations, tu as des problèmes de suivi. Juillet sera le mois de ton témoignage. Sera le mois d'un règlement de situation. Je suis au nombre de fois, je crois, qu'on se connaît demain à partir de 23h30 jusqu'à 1h30 pour la divine liturgie spéciale depuis Paris. Si tu n'as jamais voyagé, je t'assure, tu feras le tour du monde. N'oubliez pas, nous nous retrouvons à Théotokos autour Paris. Après que vous continuez de liker, je vous assure que vous sortez. Je veux, ceux qui ont eu ces prophéties, là, il faut, n'oubliez pas, nous sommes à Théotokos autour, c'est la 4e édition à la salle Arène de la Liberté de Gennevilliers, 6-8 boulevard Gallieni, 92-230. Gennevilliers, je répète, salle arène de la liberté de Gennevilliers,
68 boulevard Gallieni, hein, GA2LIENI 92 230 Gennevilliers. Vendredi, dès demain, commençons les consultations prophétiques de 12h à 20h. La première grande évangélisation, c'est gratuit. Dites à vos parents à Paris, en Europe, c'est gratuit. La première évangélisation, le samedi 1er de 15h à 20h. Alors, nous savons qu'il y a des tensions, mais ne te décourage pas. Viens cette prière. Appelle-toi à boucler. Tu prends ton ERL, tu prends ton car, ton bus, tu rentres à la maison. Ne te laisse pas distraire parce que c'est pas ça Paris. Viens recevoir ta délivrance, viens recevoir ta guérison, viens recevoir ton accélération. Et comme je te dis toujours, tu marchais peut-être, tu courais peut-être. Maintenant, c'est le temps de ton envol. Donc, n'oubliez pas, infolan et inscription, vous avez le numéro d'évangéliste Florence Cabran à Chia. Allez sur les différents canaux, allez sur notre page. C'était Monseigneur Achia Pacom-Marie depuis notre résidence de Meudon, dans le 92e à Paris. Votre vie. Et sur le point de connaître quelque chose qui va faire de vous la référence dans une région pour les 200 ans qui viennent. Je vous bénis. N'oubliez pas, personne ne peut vous maudire si je vous ai béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Une nuit de calme, une nuit de paix, une nuit de guérison, une nuit de santé, une nuit de repos. Une vie de prospérité, pensez bénédiction, pensez l'argent, et priez aussi pour moi, parce que j'ai vraiment besoin de vous prier dans cette mission-là. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Voilà, j'ai 50 ans. Priez pour moi, pour que Dieu, pendant ces 50 ans, puisse nous apporter le réveil dans toute la francophonie. Je compte sur vous. N'oubliez pas aussi, les petites enveloppes aussi. J'accepte ça aussi, pas de refus. Que Dieu vous bénisse.